Bonjour à vous. Merci. Au nom du groupe UPPM, c'est-à-dire Une pensée pour Marina, et au nom du groupe Une rose blanche Marina, de votre présence ici. Nous remercions Monsieur le maire d'Écommoy, Sébastien Gouillet, de nous avoir entendus, Maguy Terrier et moi-même, Maryse Rominguz, de ce jour de septembre 2013, lorsque, après avoir frappé à de nombreuses portes, nous sommes arrivés au sud du sud de la France, porteurs du projet, et que nous le lui avons présenté au nom de UPPM. Nous remercions tous les participants qui ont répondu à cette invitation, ainsi que tous ceux qui, par leur pugnacité, leur investissement personnel, leur foi en l'avenir, ont permis que ce jardin voie le jour. Merci aux employés municipaux pour le soin apporté à la réalisation de ce jardin et à la prise en charge des rosiers. Et nous remercions les Écommoyens qui ont compris l'intention de cette demande et qui l'ont acceptée. Beaucoup de projets disparaissent ou resteraient en plan si les gens restaient assis à attendre un miracle. La conclusion terrible de ce petit destin tragique, de cette vie volée à une enfant innocente qui s'appelait Marina, a été un choc pour la France entière. Pour offrir à ces personnes désemparées, qui essayaient de comprendre l'inacceptable, s'ignorant totalement avant ces heures difficiles et se posant les mêmes questions, des groupes de parole libres ont été créés sur le net par des bénévoles. UPPM, Une pensée pour Marina, est l'un d'entre eux. Tout comme Une rose Marina, nous nous sommes retrouvés unis par la même volonté que cela s'arrête. De tous les échanges des messages, 11 507 dates, et de réflexion, la volonté de générer des actions diverses a rapidement émergé. Des initiatives ont été lancées, appel aux instances gouvernementales pour la mise en place d'une vraie réflexion citoyenne, demande pour que l'enfance maltraitée soit désignée comme grande cause nationale, marche blanche, rassemblement de chorales, dont les gains ont permis la prise en charge de certains frais du jardin. En engageant l'énergie, la conscience de tous, il nous semblait que cette série de tragiques drames, baptisés faits divers, pouvait être jubilée. En même temps, d'autres actions plus matérielles ont été élaborées, tournées plus vers Marina, notre conscience. Le jardin de Marina est l'un d'entre eux. Aujourd'hui, 8 juin, ici à Écommoy, nous voilà réunis pour la naissance tant entendue par nos groupes citoyens du jardin de Marina. Car nous sommes tous d'accord pour affirmer que ce n'est pas un lieu de stricte souvenance et de regret pour Marina. Cela de dignité et un peu de chair au souvenir de tous ces enfants, Tiffany, Lorenzo, Moland, Alaina, Adélaïde, Fiona et tous les autres partis trop tôt de leur vie. Ce que nous voyons ici à ce jour, c'est une ébauche prometteuse qui porte en elle, comme nous le souhaitons, les prémices de ce qui sera vraiment un jour. Il faut laisser du temps au temps. Du temps à la nature pour donner force et éclat au végétal, couleur à ces rosiers choisis attentivement par des membres de nos groupes, ainsi qu'aux hommes qui soigneront et embelliront ce jardin. Il va grandir, se développer, porter fleurs et fruits dans les rires et les jeux d'enfants, toutes choses que notre courageuse n'a pas pu vivre. Ce que nous voulons ici par ce jardin, c'est démontrer que la mort peut être remplacée par la vie, qu'un lieu de renouveau pour Marina se greffe sur son petit destin tragique, qu'une signature forte et vigoureuse à propos de la cause des enfants maltraités doit être présente en permanence dans notre vie. Après les boutons qu'il y a peu, les rosiers offerts par nos membres sont en fleurs, gage d'espoir, pour que l'omerta, le déni, soit enfin levé en France. Marina, notre conscience, petite étoile toujours brillante, est notre guide dans ce combat, qui sera, n'en doute pas, long et difficile. Nous tous, les membres de nos groupes, ceux qui nous vous remercions. Pour nous, puisque ça fait pas très longtemps qu'ils ont rejoint le groupe. Voilà. Donc, je vais vous refaire ce que nous avons fait avec les parents. Nous, collectif, une rose blanche Marina et une pensée Marina Nous monterons le vibrant hommage, petite princesse Marina, en t'offrant nos cœurs remplis d'amour pour toi, qui a vécu l'enfer sur terre avant d'aller au paradis. Nous t'offrons le jardin de nos cœurs, sachant qu'au paradis, tu as de plus beaux jardins que les plus beaux jardins terrestres. Dans ces jardins célestes, tu peux transformer à l'instant même tous tes rêves et désirs en réalité. Chaque pensée se réalise aussitôt, comme dans tout jardin enchanté. Dans ces jardins, gambadent des licornes, qui te font voyager non seulement dans le temps et l'espace, mais au-delà du temps et l'espace. Tu rayonnes d'amour et de compassion, d'une pureté bien plus lumineuse et éclatante que nous, encore humains, ne sommes capables de le faire, engoncés dans notre insuffisance et nos égoïsmes étriqués d'humains imparfaits. Mais tu nous aides à justement purifier nos cœurs par l'amour que tu éveilles en nous. Merci, petite Marina, tu es notre enfant céleste. Nous t'aimons de toutes nos forces, de tout notre cœur. Petite princesse Marina, que ton jardin soit béni par tout notre amour. Bien évidemment, pardon, en pensant à Fiona, Tiffaine, Bastien, Lola et tous les autres petits anges. Merci à tous et bonne journée à tous. Merci, monsieur le maire. prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas, prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras. Et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras. Mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi. Consoler ses chagrins, vivre sa vie des années, puis soudain prendre un enfant par la main, en regardant tout au bout du chemin, prendre un enfant pour le ciel.